projet. Aujourd'hui, il veut vraiment dire au revoir, au monde. Amen. Dis au revoir à l'ancienne vie. Amen. Et prends un nouveau départ. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? En ce jour glorieux. C'est l'amour de recevoir le Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Amen. Je suis prêt pour toi, pour le Seigneur. Alléluia. 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 C'est la joie de Dieu qui m'a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Vraiment, une joie nous anime, nous aussi. Vraiment, aujourd'hui, parce que c'est un nouveau départ dans votre vie. Et le Seigneur fera des grandes choses, des choses puissantes dans votre vie aujourd'hui. Donc nous allons, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous pendant ce matin? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter de puissant et comme un engagement aussi au Seigneur? J'aimerais que le Seigneur me sanctifie, et soit ma robe, me purifie, amen. Et moi je suis prêt à recevoir les dons que le Seigneur. Alléluia! Gloire à Jésus!
qui ne doit pas l'enlever. Il te donne le mandat. Reçois le mandat. Le mandat. Le mandat. Aller en paix pour clamer l'évangile aux États-Unis. C'est le frère Blanchier, le frère qui s'appelait Blanchier, mais aujourd'hui le Seigneur a donné le nom de Jérémaïa. Il a dit Jérémie en français. C'est un nom hébreu, Jérémaïa. Alléluia. Va en paix. Jérémaïa. Pour clamer l'évangile. Yes, 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 yes. Alléluia. Nous déclarons que tu es mort avec Jésus, ressuscité avec lui, et nous te baptisons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant,
Thank you.
est bienvenu dans la bague de Jésus. Vous êtes à présent libérés de vos fardeaux de péché. Vous êtes morts dans vos péchés avec Christ et vous êtes ressuscités. À présent, le vieil homme, l'homme de péché, l'homme adamique, l'homme animal est enterré. Et vous êtes ressuscité avec un corps, un nouveau corps, un corps glorieux. Et ce que nous allons vous demander, c'est de rester dans cette nouvelle marche, attaché à Jésus, dans la vie de consécration, dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Et avoir du dégoût pour le péché, avoir du dégoût pour les choses passées et travailler de mieux en mieux à plaire à Jésus-Christ dans tout ce que vous faites en pensant, en pensée, en comportement et en esprit. Et maintenez votre robe toujours dans la pureté, dans la sainteté. Ne laissez plus votre robe se souiller par quoi que ce soit. Et le Seigneur sera fier de vous. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur vous demande maintenant, tel que vous êtes celui, vous devez aussi travailler pour amener Dieu. Comme il a envoyé les disciples aller faire des nations avec lui. Donc, vous devez évangéliser pour porter du fruit. Je veux que d'ici quelques mois, que vous me vous apportiez vos âmes pour les amener pour le baptême. C'est ce qu'il attend de nous. Parce que le temps presse. Le temps qui reste, ce n'est plus le temps à s'amuser, mais c'est le temps vraiment de porter du fruit pour le Seigneur. Car son avènement est proche. Amen. Je vais vous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu très très saint, voilà les nouveaux retenus pour le ciel. Ils ont accepté, abandonné le monde pour s'engager avec toi, pour marcher avec toi. Seigneur, je prie que leur âme soit complètement déconnectée de l'enfer et soit connectée au ciel. Seigneur Jésus, Papa, à présent, tu les régénères. Seigneur, tu fais d'eux de nouvelles créatures. Seigneur Jésus, tu sèmes en eux les fruits de ton esprit saint. Tu les soutiens de la marche. Seigneur, tu plantes l'ennemi visant à les récupérer, visant à les ramener dans leur vomissure. Seigneur, que tout cela soit du sens. Seigneur, assure-les. Seigneur Jésus, sème en eux le zèle de te servir, le zèle de marcher avec toi en esprit et en vérité. Seigneur, tu connais leur projet dans la marche. Seigneur, assiste-les. Seigneur, fais-le.